Depuis 1985, Toulouse a développé le passage piéton spécifique. L'idée a été de ne pas arrêter les véhicules inutilement et de s'adapter au comportement des piétons, qui est très aléatoire et très libre par rapport à celui des automobilistes. Au fur et à mesure que cet équipement donnait satisfaction, on a prolongé l'expérimentation jusqu'à en arriver maintenant à avoir un équipement homologué. Cet équipement, contrairement au feu tricolore classique, est éteint au repos. Lorsqu'un piéton arrive, s'il constate qu'il n'a pas de voiture à proximité, il peut traverser directement sans déranger qui que ce soit, mais c'est lui qui prend la responsabilité avec sa liberté de déplacement de traverser. Deuxième séquence, le piéton considère donc qu'il peut être gêné par la circulation, il attend en bordure de la chaussée. Il est détecté par un système infrarouge, on lui signale qu'il est détecté sur sa figurine et à partir de cette détection, s'il voit qu'il a un trou de circulation, il peut traverser parce qu'il est protégé par le jaune clignotant. Troisième séquence, le piéton n'arrive pas à traverser ou il a décidé de traverser en toute sécurité, il attend que le feu passe au rouge pour les voitures et à ce moment-là, il a la figurine verte et la séquence classique d'un feu classique se déroule. Jusqu'à ce qu'on revienne à la figurine rouge. Et ensuite, on repasse par une phase de jaune clignotant pour les voitures. S'il n'y a pas de nouvelle détection piéton, toute l'installation s'éteint à nouveau. Pour arriver à l'homologuer, il a fallu développer également sa sonorisation, puisque c'est une obligation pour les personnes handicapées, pour les malvoyants et les aveugles. Donc on a développé un système de sonorisation également, comme sur les feux classiques, qui annonce le nom de la rue et l'état des feux, c'est-à-dire soit rouge, soit l'autorisation de passer par une ritournelle. De plus, cet équipement réduit la consommation énergétique, puisqu'il est la plupart du temps à l'extinction, et il évite l'arrêt inutile des véhicules. Et sur Toulouse, on est tout de même assez fiers d'avoir développé ce système. De nombreuses communes en France se sont intéressées pour enfin mettre en place ce produit.